Bonjour et bienvenue. Ça va faire combien d'épisodes qu'on commence avec une tempête hein? Ça va faire un petit moment maintenant. Non, je sais pas où elle est là. Interrupteur. Là. Ok. Donc, bienvenue. J'ai strictement, mais alors absolument rien rangé. On fera ça pour le prochain épisode. J'ai pas vraiment eu le temps. J'avais peut-être pas l'envie non plus. Donc, le dernier épisode, on est arrivé donc à la station. Je vais remettre la carte juste pour avoir une idée en fait. C'est bête qu'on puisse pas zoomer même sur cette carte, parce que c'est quand même sympa. Donc, on est à peu près vers là, à la station de Quonset. Alors, le problème, c'est que tous les bâtiments qui sont autour sont quasiment tous brûlés. On peut pas y rentrer, ça aussi c'est aléatoire en fait. Donc on a vraiment, mais alors vraiment vraiment pas de chance de ce côté là. Et honnêtement ça m'embête parce que du coup beaucoup moins de ressources, pas de genre moins de tissu, moins de bois, moins de chance d'avoir des bons objets et tout. Donc honnêtement pas très très heureux de ce côté là. Après ce qu'on a aussi... c'est qu'on a 1600 calories et on commence à être un peu bas en fait en nourriture. Donc on a que ça. Alors c'est que des choses avec des pourcentages en fait assez bas. Donc c'est toujours un peu dangereux hein, parce qu'on peut toujours tomber malade et tout ça. Et du coup... On va poser ça aussi tiens. Et du coup... il faudrait aussi qu'on aille chasser. Chasser quoi? C'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de loups en fait aux alentours. Donc ça aussi c'est un problème. On n'a pas vu de cerf sur le chemin, mais bon après c'est vrai que on était en pleine tempête et tout ça, donc on n'a pas vu grand chose. On va jeter ça aussi. Ouais, on est... Je vais pas dire que c'est mal barré, c'est juste que c'est un peu embêtant. Voilà, c'est un peu embêtant. Fais-moi un stack de munitions, merci. Merci, merci. Donc ouais. Après, on a de l'eau, on a... Je sais même pas si on avait pris toute l'eau ici. Non, oui. On a de l'eau, on a des bouteilles en plus. Là, on a toujours notre 3 litres. Ok, 2,82, c'est très bien. On a des balles, on a un revolver qui est encore bon. Donc ça va, ça, hein, c'est ok, ça pourrait être pire, mais voilà, donc honnêtement là j'ai un problème, je sais pas trop quoi faire, en plus il y a une tempête, plus on passe du temps, plus on perd du temps, et plus du coup on baisse en calories vite, donc ça c'est un problème. À la limite ce qu'on va faire c'est qu'on va sortir, essayer de trouver, il y a quelques bâtiments qui traînent, on en a fait quelques-uns. Peut-être qu'on y retourne et genre on récupère les rideaux, on récupère du bois, peut-être des choses comme ça. Et on prie pour que ça part très vite en fait, la tempête. Je vois que ça honnêtement. Ah c'est la bonne tempête en plus. Hein. C'est la bonne tempête. Hein. Oh là là, on voit strictement rien. Là aussi c'est brûlé. Ah c'est assez violent là j'avoue, c'est assez violent. Aïe, aïe. Bon on est déjà venu ici donc du coup on fait ça. C'est juste pour donner un tout petit peu de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici Le problème c'est ouais, c'est de passer du temps en fait et de perdre des calories. Je voudrais bien dormir à la place mais bon on peut pas dormir vraiment. Donc on va juste récupérer un peu de tissu. Et puis se débrouiller, puis attendre. Point d'interrogation. Je sais pas. je sais pas du tout. Est-ce qu'on avait pris tout l'eau ici? Non. Non. Action. Ah, on peut la recycler. Je savais pas, on peut la recycler. Elle est jolie, hein. Elle est pas mal.
Donc oui, tout boire. Donc il va nous manquer 50. Voilà, parfait. Donc prendre 50. Voilà, très bien. Alors il y a des tiroirs cassés, on peut les faire à la main. Ça fait 20 minutes, je vais voir un peu. Ah, yes. Ok, donc maintenant il manque un tiroir. Ah, attendez, on va refaire encore 10 minutes. Parce qu'on sait que quand la tempête s'arrête, il faut quand même un tout petit peu de temps encore pour que genre la neige tombe, vraiment. J'espère qu'on va pouvoir voir. Ouais, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Donc nous on a fait la maison là-bas. Ah, on l'a peut-être pas fait cette voiture. Parce qu'il y a le capot qui est ouvert. Ouais, on l'a pas fait. On va regarder sur... Ah, on voit pas grand-chose, honnêtement. C'est très très sombre. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de lune, rien, j'ai l'impression. Putain, je vois rien, c'est chaud. Ouais, non, je vois rien, honnêtement. Ouais. Ok, on sort. Ah oui, un truc aussi, c'est que vous voyez que on s'arrête en fait automatiquement quand on éteint une lampe. Par contre, je crois que si on veut la ranger, vous voyez, si vous appuyez sur la touche de ranger la lampe, au lieu de la touche pour éteindre la lampe, vous pouvez continuer à marcher en fait. Donc ça aussi c'est une très bonne chose à savoir. Donc appuyez sur la touche de ranger la lampe au lieu de l'éteindre. Comme ça vous pouvez continuer à bouger. Très très utile quand on est pourchassé ou des choses comme ça. On va monter là. Ok. Oh. Alors, ce que je recherche, ça serait des bois à couper. Je sais que par là, on peut avoir un peu de chance. On a froid. Je vois pas grand chose. Et là-bas, normalement, il n'y a rien. Ouais. Ok, on va rentrer. Non, on n'a pas eu de chance. Des bois, genre, pour faire des flèches, des arcs et tout ça. Ouais, non. Où est-ce qu'on pourrait aller suivant? Alors, on pourrait continuer le long de la route. Je suis en train de me refroidir à mort. Ouais, faut pas qu'on fasse trop ça parce qu'on commence à perdre beaucoup, beaucoup de vie. Ça, c'est un problème, ça. Okay, on va juste dormir. On va juste dormir. Alors attendez. Ok, on va prendre ça et ça. Ok, très bien.
Les toilettes, et on va directement boire. Voilà, très bien. C'est pas mal, hein, ça, d'avoir l'option maintenant de directement boire. Ça change. À dormir 2 heures, le temps de se réchauffer, récupérer un tout petit peu de vie, et se reposer, du coup. Voilà, très bien. Alors, je pense que la meilleure des choses... Alors, avant de partir, je vais réfléchir un peu. La meilleure des choses, ça serait donc de visiter pour des maisons. Bon, là, comme j'ai dit, tout est brûlé. Ouais, on va aller sur la route. Et continuer. Bon, ça, on va avoir froid sur le chemin, parce que c'est quand même loin. Mais au moins, on aura des bâtiments à visiter. On aura même une mine à visiter. Faut qu'on prenne des... Je suis bloqué. Sur le chemin, faut qu'on prenne du bâton. J'ai envie de dire, honnêtement, on pourrait faire un feu et, vous savez, faire les... Il y a des trucs sur la glace. Ça a l'air trop grand pour un loup. Je pense que c'est un cerf droit devant. On va voir. Ce qu'on pourrait faire, c'est réchauffer des thés. C'est un cerf. On peut tester. On peut tester. Là, on est derrière lui, mais on a froid, on a très froid. Si on arrive à le tuer, ça peut être intéressant pour nous. Arrête de parler. Yes, parfait. Ok. Feu. 17. Ok, ça passe. Ça passe. Non mais... Arrête, c'est bon. Ok, parfait. Ouais, on est bon. C'est quoi que j'entends à ma droite? J'aurais dû prendre un accès. Damn it! J'aurais dû prendre un accélérant. Lucky day. Ok, très bien. Pas de récupération. On va mettre. On a les têtes de massette, oui, très bien. Ouais, c'est pour la chaleur. Et on va mettre 2 heures de feu à peu près. Ok, on a mis des petites massettes, des têtes de massettes. Pourquoi je mets du temps à trouver ce que je veux faire? J'ai l'impression que je suis lent dans mes mouvements et tout, dans mes choix. C'est un peu embêtant. Ok, donc voilà, 23 degrés, c'est très bien. On va même mettre un peu plus. J'ai la main froide en fait, très très étrange. Voilà, ça donne quasiment pas de temps. Mais ça augmente pas mal la chaleur. C'est peut-être un peu abusé en fait. J'ai un peu peut-être trop mis. Honnêtement, c'est peut-être un peu du gaspillage là. Mais bon, au moins c'est fait. C'est pas grave. Alors, on peut le faire à la main. On va pas le faire à la main. On va faire ça. Ouh. Ok. Alors, 45 minutes. Très bien.
On va faire ça à la main maintenant. J'ai dit que... Non, j'ai dit on fait ça à la scie, puis après on fait ça à la main. C'est ça que je voulais dire. Ok, 1. 2. Ok, on est réchauffé au max. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est... On va visiter ça, vu qu'on est à côté. Je vois strictement rien, bien joué. J'aurais dû penser à prendre une torche. Je vois rien du tout. Est-ce qu'il y a quelque chose? Fagotin. Non, je crois qu'il y a... Non, il n'y a rien. Ok. Ouais, c'est là-bas, en fait, qu'on veut aller, je crois. Ouais, c'est là-bas, hein. Ouais, je crois bien. Ou un peu... Peut-être un peu plus loin. Peut-être un peu plus loin. Ouais, peut-être un tout petit peu plus loin. On va faire ça. On a... Il faut peut-être aller un peu vite. C'est vrai qu'on a quand même 10 kilos à prendre. Alors du coup, je dirais que... On fait quoi? On fait un aller-retour? On retourne à la maison? Pour aller déposer la viande? Je suis pas trop sûr, en fait. 32 minutes, ok. On a 10 minutes, faut pas les perdre à rien faire. On va faire ça. Très bien. Non, me dis pas que... Faut pas que le... y ait trop de vent. On va peut-être rentrer à la maison, on est à côté, c'est peut-être mieux de rentrer à la maison, honnêtement. Et de déposer toute la viande. J'ai envie, je pense. Ouais, très bien. Voilà, là c'est bien. Voilà, très bien. On va pas tout boire parce qu'on va prendre l'été pour se réchauffer si jamais on a besoin. Ok, ça c'est fait, ça c'est fait. Il va être 55 minutes, on va faire ça à la main. Parfait, on a encore 38 minutes. On va faire ça. Parfait, on a tout. Et on commence à avoir une tempête de fou, c'est bien. Ah! Oh le con! Ah le con, j'avais complètement oublié. Non, on n'aura pas assez. Ah le... Ah l'idiot! Oh l'idiot! Ah putain, quel idiot. Complètement oublié qu'on avait encore de steak. Enfin bref. C'est pas grave. Allez, go, on y va. Allez, on y va, on y va. Oh mon dieu, tempête en plus. Ça va souffler la torche, ouais, voilà. Ok, trouver... Là, vu qu'on voit rien... Là, le plus important, c'est de trouver la route et de suivre la route, tout simplement. J'ai pas rechargé la balle. Donc, on en a encore 5 dans les chambres. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me suit ou alors qui veut me foncer dessus.
Ok, on y est, on y est, on y est. On est bon. On est bon. Alors, quel idiot d'avoir oublié de faire les deux derniers steaks. C'était parfait, on avait tout... On avait tout cuit. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave. Hein. Ah, très bien. On a 15 tissus. On va faire ça. Transférer tout. Ah! Peut-être à la limite, on peut mettre ces choses-là autre part. Là, il y a 10 kilos. Très bien. On peut se reposer. Qu'est-ce qu'on a trouvé de... Ah oui, il faut qu'on recharge le revolver. Non, c'est pas ça. Ah, très bien. Oui, oui, c'est parce que t'es fatigué. Ah, quoi que non, en fait, c'est... Ben non, c'est parce qu'on transporte énormément de nourriture. Ce que je voulais faire avant, c'est... ça, on fait des fagotins avec. Voilà, très bien. Bon, ça s'est bien passé. On a... Je vais être honnête, on n'a pas eu de chance parce que, bon, rebolote avec tempête. Mais bon, le coup du cerf, on a bien géré le tir. On a utilisé une seule balle. Voilà. On a utilisé qu'une seule balle. On a tout dépecé, donc du coup on a bien monté de niveau. On a pu tout cuire aussi, pareil. Regarde-vous ça. Ouais, on peut faire ça aussi. Ouais, ça va, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. De toute façon, entre le 4 et le 5... Enfin, pour monter au niveau 5 comme ça, quand on est à 4, c'est très très compliqué. C'est un peu long et tout, donc bon, c'est normal. On va poser ça. J'ai envie de tout poser pour le moment. Tout poser la nourriture. Ouais, on va laisser ça là. On va laisser ça là comme ça. On va garder deux steaks sur nous. Je pense qu'on peut dormir le temps que on espère que ça passe en fait. Je dirais. Voilà. Voilà. Et là, on espère vraiment que ça s'arrête. Ok, 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 ok. Donc là maintenant... Une heure trente, c'est beaucoup. Quoi que toi, ça va. On a du steak et tout ça. Donc à la limite... gagne rien. Je
suis en train de réfléchir quoi faire vraiment, mais honnêtement, j'ai pas d'idée. On va garder ça sur nous. J'ai honnêtement aucune idée. On attend. On essaye d'attendre encore un peu. Peut-être que la tempête va se calmer, sinon on va devoir sortir hein, dans la tempête. Hein. Mais bon, bah on est un peu obligé, on va pas vraiment rester bloqué là et rien foutre. Hein. Il va falloir partir. Il va falloir partir. On a ça de fuel. Vider. Celle-là, on va la garder de côté. J'ai envie de garder le jerrycan sur moi. Attendez. Ok, on a mis 0,30. 1,30, pardon. Ok, voilà, très bien. En gros, ce que je fais, c'est... Ce que je suis en train de faire, là... C'est parce que, imaginons qu'on trouve une lampe, il nous faut un récipient. Mais il nous faut un récipient assez gros. Donc, si on prend un joueur à 0,50, c'est pas bon, c'est pas le petit, là. C'est pas assez. Et notre jerrycan avait genre déjà 3 litres et quelques, donc du coup on peut pas vraiment mettre grand chose à l'intérieur. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai transféré un peu des deux. Et là on en a un peu en réserve, donc ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser pour faire du feu par exemple si on veut. La lampe, bon elle est pleine. Et par contre si on trouve une autre lampe, on pourra la siphonner, récupérer le fuel et le mettre dans le jerrycan. Donc voilà, c'est ça mon idée en fait. Je crois qu'on va devoir reprendre un steak par contre. En gros, c'est pour ça que. Voilà. Je crois que j'ai tout expliqué. Ça part vite, hein. Ça part très vite, hein, la nourriture. Hein. Alors on va prendre 2 steaks et on va partir. Alors on va faire petit à petit. Attendez. Ok, c'est là. Ah ! Voilà, on se met là. On s'est quasiment pas avancé, mais on est un tout petit peu plus proche de la route. Donc on va se réchauffer ici. On va genre casser, je sais pas, casser quelques trucs. Oui, oui, je sais, c'est la mort de gelée du froid à l'extérieur. Je sais, je sais. Qu'est-ce qu'on peut casser? On peut prendre du rideau. Le temps de se réchauffer. On va voir si elle veut pas dormir une heure. Encore une fois, c'est vraiment pour... garder le plus de calories possible. Ok. Voilà. Oh yes, yes, yes. Ok, c'est parti, c'est parti. Bon, je pense que dehors c'est encore la merde, mais... On va faire 10 minutes. Okay, très bien. On devrait pouvoir finir... Ah non, peut-être pas. Ah non, si, si, si. Ok, parfait. On n'a pas beaucoup d'eau. Ok, c'est parti. Maintenant, on est reparti pour notre...
Où est-ce qu'on devait aller? Donc c'était là-bas. Allez! Des fois, hein. Alors on est sur la route, donc le terrain est bon. Du coup, elle utilise pas trop de calories. Bon, par contre, on se fatigue, mais bon, vous savez que nous, hein, nous, on est noctambule, donc c'est pas vraiment un problème. Mais ouais, faut faire gaffe juste un peu au terrain. Mais quand c'est plat, tout ça, vous voyez que c'est toujours deux flèches vers le bas et pas trois. Donc ça va. Donc on peut se permettre de sprinter. Plein de petites choses à savoir. Ok, très bien. Quelque chose sur la banquette arrière. Non. J'ai entendu des bruits à droite. Ça m'étonnerait qu'il y ait quelque chose. Mais... rien qui bouge. Ouais, on est bon. Il y a quand même pas mal de bois, ça c'est bien. J'entends des loups, mais je sais pas où ils sont exactement. Allez, c'est reparti. On a refroid. Yeah. Normalement, on devrait avoir une... Ouais, on va aller là d'abord. On va d'abord se réchauffer à l'intérieur. Puis après, après, on prendra les baies à l'extérieur. Ça c'est nouveau, alors ça marche que, alors, il y a un ascenseur, et normalement il marche qu'avec le, donc la mine de charbon de Cinder Hill, ça marche que avec l'aurore boréale, je vais vous montrer ça, et je crois bien que ça marche aussi pour nous en survie, donc faudra qu'on teste, parce qu'en plus il y a plein d'aurores boréales chez nous, donc faudra qu'on voit, oula, le bizarre. Oula, je sais pas pour vous, mais est-ce que ça saccade ou pas? Vous me direz ça, mais pour moi ça le fait vraiment. C'est bizarre. Bon, on va essayer de pas rester trop longtemps ici. J'ai jamais eu ce problème avant. Je vois rien. Dans les mines comme ça, ça serait bien de pouvoir trouver une lampe. La plupart du temps, les lampes, on va dire que c'est assez courant. Donc, je voudrais bien en trouver une. Oh, charbon. Ouh, c'est très très désagréable de... d'être ici. Ouais, non, c'est une heure, non. Très très désagréable. On va pas rester longtemps. Alors j'ai envie de tester, de casser une boîte en fait, à voir s'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur. Une heure, ça c'est quoi, 1h30? 1h30. 30 minutes pour deux bouts de bois en fait, deux bois de récupération. Mais on va être lourd, non? On a 32 kilos. C'est assez grand, hein, donc il faut une lampe. Hein. On va prendre ça.
Et après on va vite sortir. Non, peut-être qu'on peut rien faire, je sais pas. Faudrait une aurore boréale qu'on voit si ça fonctionne. Est-ce que je peux casser une grosse caisse dans le noir? Je sais plus si on peut faire ça. On va prendre genre la caisse du milieu. Attendez, on va d'abord éteindre la lampe. Tada! Non. Strictement rien. Il y a un truc aussi qu'on peut faire, j'y ai pas pensé. Et ce qui est dans un sens normal, c'est que les cailloux, on peut en trouver pas mal dans les mines. Mais bon, enfin après, c'est dire ça. C'est à des endroits, on les trouve aussi pas mal à l'extérieur. Mais c'est pour dire, dans les mines, on trouve pas mal de petites pierres. Et du coup, ça peut nous être utile pour crafter des abris. Je sais pas. J'ai pensé à ça, en fait. J'ai pensé à ça aussi. Ok, là, on est mieux. Ouais, il y a un problème avec cet endroit. Il y a un problème. Attendez, il y a des... Non, non. Oh, champignons. Ouais, ok, on a un problème dans cette mine. Vous me direz si, pour la capture, pour vous... Désolé, je sors un peu du coup de l'aventure, hein, mais... vous me direz pour la capture, si jamais ça saccadait à fond, je regarderai moi aussi le rendu. Mais c'était très 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 saccadé, pour moi. Très bizarre. Alors que là, c'est nickel, tout va bien. On va commencer à être lourd, faut faire attention. Je crois qu'il n'y a rien qui bouge, ça va. C'est un ours. C'est un ours. C'est un ours. Oh la vache. Un ours, un loup. C'est fun. Wouhou, on s'amuse. Trop bien. Sur les étagères, je sais pas vraiment regarder. Alors, là y'a rien, y'a rien. Très bien. Très très bien. Y'a strictement rien. C'est fun. Ok. Alors. Pas mal. On va d'abord manger le steak parce que c'est le plus lourd. Pas tout, juste au cas où. Pas tout, juste au cas où, très bien. 33-46, très bien. On va dormir 2 heures. Après, où est-ce qu'on va? Ah, on a une aurore boréale. Vous voulez qu'on aille tester? Ok, bon, cette fois, par contre, on va sortir ça. On va retourner à la mine. On va retourner à la mine. On va voir si ça marche. Je crois que c'est parfait, là. Bon, ça, c'est fermé.
Merde, c'était où la mine? Là. Il est où l'ours? C'est pas grave, on y va. Je sais pas ce qu'on est en train de faire, c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on pourrait faire après, si jamais il n'y a rien à faire ici, on sort, et on monte dans les hauteurs, et il y a des bâtiments. Ah ouais, non, mais ça saccade, hein. ça saccade. Ah, l'ambiance... L'ambiance à la lampe torche, honnêtement, dans les mines, comme ça. C'est un peu mieux qu'à la lampe, hein, que à la lampe à fuel. Hein. J'aime bien. Ouh. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec toi? Ça m'étonnerait, hein, ça m'étonnerait. Ah! Oh. Où est-ce qu'on va là? Mine de charbon. Ok, c'est du jamais vu pour moi. Ok, là il y a une lampe. Ok. Ah, du coup. Oh putain, ça doit être électrifié. Du coup, je suis désolé, mais ouais, non, pour moi, c'est saccadé. J'espère que sur la capture, ça sera mieux, mais... Genre là, on découvre plein de nouveautés. Pour moi, c'est tout nouveau. Je suis jamais venu là, en fait. J'ai jamais vraiment eu d'aurore boréale et j'ai jamais attendu, en fait, d'en avoir. Pour prendre l'ascenseur. Donc, complète découverte. Alors, on peut passer par cette porte-là. Je sais pas si on arriverait... Je me demande, en fait, si tout le grillage est pas électrifié. Ou alors... Oh! Ou alors, c'est juste la porte. Ah ouais, non, mais c'est... Ah, mais c'est violent, là, non? Faut pas oublier qu'elle est un peu large. Je veux pas dire qu'elle est grosse, hein, mais... Oh la vache... Je vais être honnête, elle est large à chaque fois. Hein. Faites voir quand on éteint. Ouais, non, on voit rien. Okay. Par contre, si on n'a pas... si on a plus l'aurore boréale, on risque d'être bloqué, donc on va essayer de faire ça vite. Hein. On va essayer de faire ça vite. Je sais pas en fait si on peut être bloqué. Oui, là aussi c'est pareil, il y a du courant par terre. Là c'est pour faire le tour. Ah non, un cul-de-sac. On avait un chemin avec... Oh, oh, cool. On avait un chemin qui montait. Donc faudra aller voir. On est à combien? On est à 36 kilos, ça va. On a des boîtes pour aller casser. Danger, c'est cool. Vous avez vu les lampes comme elles sont bleues? Violette bleue. Où est-ce qu'on va là? On devrait passer à la lampe à fuel. Ah non, c'est complètement noir. Parce qu'on va, on va plus avoir de batterie sur la torche. Bon, maintenant ma question c'est, est-ce qu'on va vraiment quelque part ou on va dans un cul-de-sac? Comment ça se passe ça? Là ça continue, mais ça m'inquiète un peu quand même. Ok, donc c'est cul-de-sac, ça marche. Cul-de-sac. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de tenter de passer... C'est vraiment un cul-de-sac, hein. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de tenter
le passage vers le haut. Authorized person only, non meeting without authorization. Okay. Parce que ça avait l'air assez... assez violent niveau câble. Il y en avait beaucoup partout. Et je sais pas si on a la place en fait de passer pour pas les toucher. C'est ça le problème. Je suis en train de me dire, est-ce qu'il faut pas attendre que le courant s'arrête ? Vous voyez ? Donc ça m'embête un peu. Je sais vraiment pas. On va sortir la lampe à fuel. En tout cas, les trouvailles là, c'est sympa. Hein. Oh, peut-être qu'on peut. Non, on peut rien faire. Non, on peut rien faire. C'est honnêtement, dans la meilleure des choses, ce serait juste de partir. On a récupéré du bois, de la nourriture et tout. Le mieux, ce serait de partir, mais il y a mon côté aventurier qui me dit « Allez, vas-y, on teste. » Non, mais là, je passe pas, là. Si jamais on se fait électrocuter, je vais m'énerver. On peut toucher ça ou pas? Ok, on peut toucher ça. Oh la vache, on vient de passer. Du charbon? Non, c'est juste des cailloux. Le bordel que c'est ici. Ok, on refait la même. C'est bon, ça passe, ça passe. Oh! Il y a un câble à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait du bruit comme ça? Ouh, c'est pas beau ça, comme ça, les bois, là. Putain, on peut pas couper le courant? On va se mettre là. On peut passer... Ah, sûrement pour partir. Et là, c'est pour revenir. C'est peut-être un guet-apens, ce chemin-là. Enfin, c'est peut-être un piège. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que si on passe à côté, en fait, on n'a pas assez de place. Parce que vous avez vu qu'il y avait un... sur le côté gauche, il y avait un morceau de bois, en fait, qui bifurquait. Et du coup, ça allait nous pousser vers le câble. Peut-être qu'on est... Peut-être qu'on est obligé de se le prendre. Donc là, je crois qu'on a... J'ai cru qu'il y avait une autre sortie. Là, on a possiblement bien joué. Peut-être, peut-être. On va reprendre la lampe. Pardon, ça. Pour économiser les... Enfin, quoi qu'elle s'est pas vraiment rechargée, honnêtement. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de courant. Mais notre lampe fonctionne toujours, donc il y a toujours une aurore boréale. No trespassing, donc ne pas passer. Oh la vache, où est-ce qu'on est? Oh, câble. Ouais, on va reprendre. Si elle est vraiment pas... Elle est vraiment pas augmentée, la batterie. Par contre, je crois avoir vu... Un chemin ici. Alors je vais juste voir là et après on fait demi-tour. Qu'est-ce qu'il y a un? Qu'est-ce qu'il y a un? N'importe quoi. Pourquoi c'est devenu rouge les lampes? Oh,
touche pas le câble. Hard at area. Donc il y a des risques de chute. Ok, là il y a des choses à récupérer. Oh putain, mais où est-ce qu'on va? Encore heureux qu'on a à bouffer de l'eau. Enfin, de l'eau, on en a pas énormément, honnêtement. Encore du charbon, on va continuer. On va continuer à stacker, mais honnêtement, on va être très lourd. Ok. J'avais dans l'espoir que ça monte. Ok, faut pas tomber dans l'eau. L'eau, elle est électrifiée. Hein. L'eau est complètement électrifiée. Câble. C'est bon. Je suis étonné parce qu'il y a des... des sortes d'armoires électriques. Enfin, c'est pas vraiment des armoires, mais vous m'avez compris. À chaque... On va dire, c'est comme si à chaque fois qu'on accomplissait genre un passage ou qu'on allait quelque part de spécial dans la mine, il y a une armoire en fait. Comme si notre récompense, ça serait de pouvoir couper le courant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut pas interagir avec. Mais ça fait vraiment comme si... on arrivait... à un point, genre un point, un checkpoint, un point de sauvegarde, vous voyez ce que je veux dire? Un peu étrange. Bon, on peut toujours faire demi-tour. Là, je sais pas si on va à une sortie ou pas, j'en sais strictement rien. Encore de l'eau électrifiée. J'ai peur aux intersections à chaque fois. J'ai très très peur. De la poudre à canon. Ouh, une grosse boîte. Ok, ok. On peut faire du feu là aussi. On a 41 kilos, s'il te plaît. C'est pour l'eau. Ok. On a de la... Ouais, ok. Ça se recharge. Un câble, attention. J'ai l'impression que c'est vraiment tout un cul-de-sac. Ok, on y était là, on y était, je crois. Hein? On y était avec le sac, hein? Ouais, je pense, je pense. J'ai l'impression que c'est un gros cul-de-sac en fait. J'ai l'impression, vraiment l'impression que c'est simplement un gros cul-de-sac avec des endroits où on peut trouver des bons objets. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Le problème c'est que si jamais on reste bloqué ici... je crois qu'on peut signer notre arrêt de mort. Je suis pas sûr. Donc peut-être qu'on devrait un peu sprinter en fait. On va aller là d'abord. Oh, il y a des balles, il y a des balles, il y a des balles là. Oh, t'es sérieux? Non mais attends. T'as cru que j'avais un sac moi? Ça devient débile. Qu'est-ce qu'on pourrait jeter? Rien, honnêtement rien. J'ai pas envie de jeter des choses. Ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est jeter... Là on est allé là-bas, hein. C'était un cul-de-sac. Hein. Jeter le bois. Parce que le bois c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout. Faut que je reste concentré, je suis perdu honnêtement. Ah oui non, pour revenir en arrière vers l'ascenseur c'est à droite. Donc là il reste plus que ce passage là. Donc on va voir où ça mène. Oui c'est la porte qu'on vient d'ouvrir. Et on va voir si ça nous amène quelque part. Ça nous donne quelque chose. On va éviter le câble.
Après dans les commentaires, je vous autorise à me dire si jamais j'ai loupé des choses dans la mine. Mais je pense que là, on l'a bien faite. Ouais, non, là, ça a l'air cul-de-sac. Enfin, de l'autre côté de la grille, je veux dire. Là, par contre, ça fait un peu un chemin, mais je... C'est quoi ce bruit? Je dirais qu'il n'y a pas de choses à récupérer. De toute façon, on peut pas y aller. Ok, allez, on y va. Maintenant, ligne droite vers l'ascenseur et on se casse. Ah, le câble. Allez, ligne droite, ascenseur. Alors par contre, comment on fait pour revenir vers l'ascenseur? On passe par le côté droit. Pour éviter le câble? Ah non, bah non, non, sinon on va être dans la merde. Elevator. Côté gauche, je dirais. On va voir. Par contre, c'est là-bas. Avant de sortir d'ici, on va devoir faire un tri dans notre inventaire. On va voir comment ça se passe. Parce que là on peut pas rentrer avec tout ça dans le sac. Là. C'est trop lourd. Alors, droite ou gauche? Moi, je dirais gauche par là. Oh, le câble. Ouais, moi je dirais ça, moi je dirais là, voilà. Voilà, très bien. Parce qu'on est déjà passé par là. On sait que ça passe. Ça fout les boules à chaque fois de passer. Allez, on se casse. Allez, allez, on y va. Parfait. Et c'est là que ça nous envoie un autre niveau. Bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Avant de partir, ce qu'on va faire aussi, c'est dormir. Je pense, on va dormir. J'ai toujours le sac de couchage, je crois, sur moi. Et je pense qu'on va dormir pour qu'on soit au maximum de notre endurance. Il faut qu'on fasse un tri dans ce qu'on porte. Parce que là c'est un peu débile. Pas trop de choses. C'est moi ou l'aurore boréale s'est arrêtée? Non, on a une tempête. J'aime bien aussi cet endroit parce qu'on arrive à voir l'extérieur. La plupart du temps, on voit pas l'extérieur. Mais là, il y a l'extérieur. Enfin, c'est l'extérieur en JPEG, hein, faut être honnête. Hein, mais c'est pas l'actuel extérieur, c'est juste une petite représentation, en fait. Bah alors... À la limite, vu qu'on a une tempête et tout, et que ça va nous prendre du temps avant de revenir, j'ai envie d'arrêter l'épisode là, parce qu'en plus je peux dormir, donc honnêtement je vais en profiter. Et je crois que le prochain épisode, ça sera où on repart en fait. Et on repart à la maison. Et on essaye de survivre. Alors, résultat des courses, faisons le résultat des courses. Donc on est à 46 kg maintenant. Alors, on a... déjà, pour le bois, on a récupéré pas mal de bois. On a eu 9 charbons, c'est très bien. On a du bois de chauffage, c'est très cool. Vraiment cool, vraiment cool. Là, on s'en fout. Les vêtements, on n'a rien trouvé. En nourriture... Ouais, non, ça va. On n'a pas besoin de manger. Quoique, on va peut-être manger ça. Comme ça, on le finit. Voilà. Très bien. En nourriture, on a trouvé ça. Ça, c'est cool. On a aussi des chips. Mais ça, c'est bien. C'est 600. Après, c'est ça le plus intéressant. Donc, on a boîte de poudre à canon. 0,50. Très, très bon. On a récupéré un fusil qui est en bon état. 79%. On va peut-être même charger les balles dedans.
Voilà. À 79%, ça c'est énorme. Du coup, je pense qu'on va peut-être le sortir, le fusil. Je pense qu'on va le sortir. Parce que 79%, on peut se permettre de l'utiliser. Parce que le revolver commençait à baisser. En parlant de revolver, on en a eu un deuxième. Bon, il est vide. Par contre, il a 31%, donc je pense qu'on va vraiment pas l'utiliser pour le moment. On le prendra par contre, vous avez, je vous avais dit dans un épisode, on prendra les armes sur nous. Et on ira toutes les réparer et tout ça. Donc on fera ça. Des balles, je crois qu'on en a trouvé. Oui, parce qu'on n'en avait pas 34. On a récupéré un jerrycan. Je crois que c'est celui-là, 3 litres. Plus de 3 litres dedans. Donc ça c'est très bien, parce que ça c'est celui-là qu'on avait pris avec nous. On va ravitailler ça. Ah, très bien. Ouais, non, non, c'était une très très belle trouvaille. Très très belle trouvaille. Je suis assez... Ok, ouais, mets-toi à plat, merci. Je suis assez heureux, en fait, de nos trouvailles. Et après, on a eu des raichi et tout ça. Bon, on va pas les faire maintenant, on va juste dormir, on va juste dormir. Donc je pense que c'est cool. Honnêtement, ouais, très content. Donc la prochaine fois, ce sera retour à la maison. En espérant que ça se passe bien. Peut-être qu'on se séparera du bois, parce que c'est quand même très lourd, on peut même pas sprinter. Et le problème, c'est que à cet endroit-là, il y a un ours et des loups. Donc si ça commence à nous courser, on est dans la merde. Après, on peut peut-être passer par les hauteurs. Par les hauteurs, ça serait intéressant, parce qu'il y a des bâtiments. Je sais pas si je peux vous le montrer. Ouais, non, on est par là. Et en fait, les hauteurs comme ça, on pourrait... Il y a des bâtiments. Et après, on pourrait revenir et redescendre, en fait. Faire une sorte de dark et revenir sur notre... station. Mais ouais, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et même découverte pour moi, c'est cool. Ça j'aime bien. Quand moi-même, je peux découvrir des choses, ça me fait très plaisir. Et à la prochaine. Ciao, ciao.